Bonjour, comment vous allez bien? Enfin une vidéo positive avec des bonnes nouvelles. Alors ma tête peut-être pas, mais c'est pas ça le sujet. Alors, bon, je vais peut-être pas dans l'ordre, parce que des fois les idées elles vont pas dans l'ordre. Alors j'ai dormi cette nuit. Oui, j'ai dormi cette nuit. On dirait mais parce que les autres nuits pas, ben non, pas vraiment. D'où ma tête. Mais alors. J'ai repensé, je me suis rappelé de ce que je prenais, de ce que j'ai pris pendant une période pour m'aider à dormir. C'était une masseuse qui m'avait dit ça, qui fait des plantes et tout, des préparations. Elle m'avait dit l'hydrolate de marjolaine. Voilà. Alors, j'ai pris un pendant un temps. Je sais pas pourquoi ça s'arrêtait, mais je crois parce que financièrement, c'était dur, quoi. C'est 30 francs les... je sais pas combien. Et puis ça dure pas très longtemps. Donc voilà, bref. Mais du coup je me suis rappelé, je me dis mais Steph, t'as oublié. Et puis j'ai commandé. Et puis je me dis mais punaise, je vais pas passer encore le week-end sans dormir. Puis quand j'étais en ville, voilà, parce que maintenant je descends à la ville, et ben je me permets ce budget là. Eh bien, j'ai été dans une pharmacie de ville, et puis j'ai regardé, et puis ils avaient aussi l'hydrolat de marjolaine. Alors, quelle chance, donc je me suis dépêchée d'aller la prendre. Comme ça, j'ai toujours les frais de port en main. Et puis, voilà, j'ai pu la prendre hier soir, et puis ça a marché. Voilà, donc tip top. Alors, je pense que là, je trouve plus ou moins... Alors, bon, c'est toujours la même chose. C'est le premier soir, et puis la première fois, ben, c'est toujours tout beau, tout rose. Alors, on verra. Voilà, mais... on va dire aujourd'hui j'ai gagné cette nuit là et puis ben, comme je vous ai dit normalement tout va le reste non j'ai, je sais pas si j'ai tapé des jambes mais c'est sûr que de faire de la montée, de courir, de faire toutes des choses comme ça pour mes mollets, ça va pas. Donc c'est ça plus ou moins qui tape quand même le soir. De mettre des manchons qui serrent les mollets. Ben, ce qui serait bien, c'est de les mettre pendant marcher, mais j'ai pas encore passé le stade. J'ai pas les jambes assez fines pour les mettre pour sortir. Ben, sinon c'est horrible. Déjà que je suis ronde, alors si en plus je mets ça. Mais par contre, quand je rentre, je les mets. Et puis si vraiment tout d'un coup ça marche pas la nuit, je les mets aussi la nuit pendant un moment. Et puis ben du froid ouais et puis ben de battre les jambes justement quand je vais dans l'eau c'est vraiment ça hein. C'est pas faire la brasse ou je sais pas quoi non c'est je bats des jambes pendant ben justement une demi-heure quoi en tout cas alors ça c'est vraiment top parce que je pense ben je me demandais justement parce que depuis petite peut-être que je vous avais dit depuis petite j'ai je laisse, en fait, j'ai toujours été courte au niveau des jambes, c'est-à-dire pas courte au niveau de la hauteur, mais au niveau de ce que je mettais comme vêtements, parce que le frais me faisait du bien, en fait. C'est pas pour dire, mais bon, bref. Eh ben, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, que j'ai toujours fait du sport, quand même, beaucoup avec le bas, quand même. Forcément, on est tous debout, donc on fait tous du sport avec le bas du corps. Hein. Mais quand même, où je courais aussi ou ça. Et puis, ben, c'est peut-être ça qui manque, en fait. Voilà, c'est peut-être ça qui manque. Alors, bref, donc ces temps, ça va bien. J'ai pas de travail, j'ai pas besoin de me stresser. J'essaye de, justement, quand je vais me baigner, ben, aujourd'hui, pas parce que c'est le week-end, alors je reste quand même sur place. Mais je me suis dit ben bien sûr je vais marcher hein. Puis je vais essayer de faire un peu de vélo, je verrai si ça marche. Et ben qu'est-ce que je voulais dire avec ça où je perds le fil par contre. Oui que j'essaie de faire ça lentement, lentement si on veut, c'est-à-dire que par exemple quand je descends le chemin depuis le car jusqu'à jusqu'en bas, et ben que j'y vais à mon rythme, quand je me baigne à mon rythme et puis je regarde pas autant et puis après ben, je me permets de marcher parce que comme je prends, voilà j'ai regardé au niveau des bus pour que justement ça me stresse pas, donc ça c'est vraiment aussi énorme parce que j'ai l'art d'essayer de conjuguer toujours au mieux à la précision et puis du coup ben ça stresse alors voilà
Donc, je suis pas mal bien détendue. Hier, j'ai réussi à faire toute la journée sans me reposer. Ça, c'était juste incroyable. Donc, je suis descendue, me baigner, je suis remontée, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans l'appartement. Et puis, je suis redescendue faire des commissions. Et puis après, je suis remontée. Puis après, j'ai continué de travailler pour la maison, j'ai cuisiné et tout. Donc, ça, c'était vraiment. Voilà. Là, je trouve que c'est positif. Là, je trouve que c'est positif. Bon, positif si on veut, parce qu'hier c'était quand même de l'hyperactivité. Hein. Mais voilà. On va dire que c'est positif. Alors, voilà. C'est des bonnes nouvelles. Oh, il y a un petit chevreuil. Hier, on a vu en plus un. Il est en train de se cacher. Où est-ce qu'il va remonter? Ah non, il revient. Ah non, c'est un lapin. Oh, c'est un lièvre. Incroyable. Jamais vu chez nous. Bah, je sais pas si vous l'auriez vu parce que des fois je filme comme une. Enfin, à l'envers en tout cas. Incroyable! Alors, ça, j'ai jamais vu par chez moi. Avec ses longues oreilles. À moins que ça soit. Ah non, là il se baisse. Il a peur quand même. Ah, bref. Oui, on a vu un chamois juste à côté du garage de mon chéri dans les rocailles. Prenez soin de vous. On y croit. Merci pour vos messages de soutien.